Les échappés creusent l'écart. Ils ne sont pas dangereux au général, on peut laisser filer. L'échappée résiste bien au retour du peloton. L'écart semble stabilisé. L'échappée ira sans doute au bout, les gars. Faites gaffe quand même aux attaques dans le final. Le sommet est dans quelques kilomètres. Rappelons que le premier empochera 5 points pour le classement de la montagne, mais aussi 8 secondes de bonification pour le classement général. Allez les gars, courage! Continue comme ça! Il attaque. Pour le moment, laissons l'équipe du leader contrôler. Car devant, il y a un mec dangereux pour lui au général. Ok, je vais relayer. Allez les gars, courage! Allez les gars! Allez!
On est leader virtuel. Allez, on continue comme ça, allez. Classement grimpeur dans 2 km pour l'échapper. Pour l'instant, c'est lui le maillot jaune virtuel. Les premiers vont bientôt passer au sommet du col de la Luzette. Il leur restera ensuite 5 km de plat et de descente pour atteindre la dernière rampe vers l'arrivée. Autant à l'aise en contre-la-montre que dans les ascensions, l'arrivée du Mont-Aigoual est classée en deuxième catégorie. Il y aura donc 5, 3, 2 et 1 point à glaner pour le classement de la montagne. Ça marche, je me ravitaille. Nous sommes à un peu moins de 3 km du sommet, avec moins de 30 secondes d'avance sur ses poursuivants. Rien n'est encore joué pour l'homme de tête. Il attaque. Pour le moment, laissons l'équipe du leader contrôler. Allez les gars, courage! Plus que 2 km. La flamme rouge est en vue. Encore 1 km d'ascension pour la tête de course.
Et voici la flamme rouge. Bravo les gars, c'est bien. Ce coureur est à l'aise aussi bien dans les bosses que dans l'école. En plus, il a des qualités de rouleur pas trop mauvaises pour un coureur de son type. Vamos, chicos, ánimo! Ok, je vais relayer. L'avant de la course est à 2 km du sommet. Ça marche. Me ravitaille. Il devient le leader du classement de la montagne. Il y aura des bonifications en jeu au sommet de Peyresourde. 8, 5 et 2 secondes, en plus des points pour le classement de la montagne. Les hommes de tête ont une minute d'avance sur le groupe des favoris.
Le groupe maillot jaune est maintenant à une minute de la tête de course. Il y aura 10 points à prendre pour celui qui franchira en tête le sommet de Peyresourde. Se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour le général. Il fait rouler ses équipiers car devant, il y a un mec dangereux pour lui au général. Il faut réagir tout de suite, les gars. Il prend la tête du général virtuel. L'écart entre le groupe des favoris et la tête de la course est de 30 secondes. On a maintenant 30 secondes entre l'échappée et le maillot jaune. Kilomètres du sommet, personne n'a réussi à s'isoler en tête de la course. La différence se fera peut-être dans la descente.
L'homme de tête a 30 secondes d'avance sur les favoris. Ça marche. Je me ravitaille. Il sera le nouveau maillot à pois. Il ne peut plus être rattrapé aujourd'hui. De 5 km, allez, allez, encore! Pointé à une minute de toi. Dernier kilomètre. C'est la flamme rouge, encore un kilomètre d'effort. C'est le dernier kilomètre, allez, allez, encore un effort. Ça revient sur l'échappée. Elle va avoir du mal à résister au retour du maillot jaune.
Nous sommes à 1 km du sommet. Un homme a réussi à s'isoler en tête de la course. S'il gère bien la descente, il n'aura aucune difficulté à s'imposer. Se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour le général. Et voici maintenant le début de la descente pour l'homme de tête. Il sera le nouveau maillot à points. Il ne peut plus être rattrapé aujourd'hui. L'écart est maintenant d'une minute entre les favoris et l'homme de tête. Le groupe maillot jaune est maintenant à une minute de la tête de course. Un équipier est tombé. On est trop près de l'arrivée pour l'aider. Il fait rouler ses équipiers car devant, il y a un mec dangereux pour lui au général. Il ne reste plus que 10 km à parcourir pour l'homme de tête. Allez, encore un effort et il devrait s'imposer. Ça marche. Je me ravitaille.
Vamos chicos, muy bien. L'homme de tête a 30 secondes d'avance sur les favoris. L'avance du groupe de tête devrait être suffisante maintenant pour aller au bout. Il va faire rouler son équipe derrière toi, mais faut tenter. On entre maintenant dans le dernier kilomètre. L'échappée est à un kilomètre de la ligne d'arrivée.